them. Ils pensent, certaines personnes pensent que tu les juges. They feel like no, you are making them uncomfortable. Mais certaines personnes pensent que tu les fais demeurer dans un confort. Jésus-Christ ne dit pas, nous ne devons pas donner la discipline aux personnes. La discipline dont Jésus-Christ nous parle, c'est où est la destination de ton âme. Prends soin de ton âme. The area that you are walking into. Travaille vraiment au salut de ton âme. Can we read the book of 1 Corinthians? On peut lire le livre de 1 Corinthiens. Il ne veut pas dire que nous ne devons pas être jugés. Mais le jugement dont Jésus-Christ nous parle, c'est parce que les gens parlent aujourd'hui. Lorsque tu dis aux personnes, mais quand tu manifestes l'amour dont Jésus-Christ parle, ils pensent que c'est un jugement. Mais Jésus-Christ te dit ici, mais lorsque nous sommes jugés, nous devons. Nous sommes châtiés pour que nous ne soyons pas condamnés comme le monde. Parce que nous ne voulons pas être condamnés comme le monde. Nous ne voulons pas que notre âme soit perdue. C'est pourquoi nous disons à toute personne ici, recherchons premièrement. Aime premièrement Dieu. Parce que quand tu aimes premièrement Dieu, quand tu as l'amour pour Dieu, tu sauras comment avoir l'amour pour ton frère et ta soeur. Oui, mon frère, ma soeur, mon Jésus-Christ. Ne te sens pas condamné. Why you don't want you to be condemned with the world? Parce que pourquoi tu ne sois pas condamné comme le monde? Can we read the book of Matthew 27:5 again? The one that you are trying to make him want to be good. Que tu veux lui faire du bien. When he sees that you are hanging. Il pense que tu veux du mal. Il pense que cette personne peut comprendre que tu n'as pas d'amour. Regardez ce qui est passé à Judas. Il est un des douze apôtres du Seigneur Jésus. Il a vu comment Jésus-Christ manifestait l'amour. Mais Jésus-Christ lui disait, Jésus-Christ l'enseignait à l'amour. Jésus-Christ enseignait comment sortir des ténèbres du monde. Comment sortir du dernier du méchant. Mais regardez ce qui s'est passé. Il s'est jeté, il a jeté les pièces he dans le temps. Il s'est retiré. Guess what happened now? He hanged himself without no pronouncement. Il a été suicidé. I'm here to explain to you. Je suis là pour t'expliquer. No matter what you are doing for someone. Quel que soit ce que tu fais pour une personne. No matter what you are trying to demonstrate for someone. Qu'est-ce que tu veux démontrer pour une personne? Jesus Christ experienced such thing. Jésus-Christ l'a expérimenté aussi. If they can betray Jesus Christ, s'ils ont pu trahir Jésus, ils te trahiront aussi. S'ils ont pu trahir Jésus, ils te trahiront aussi. Si disent à Jésus-Christ, tu n'es pas notre maître, ils te diront aussi. Mais Jésus-Christ a continué dans cet amour. Jésus-Christ a continué à aimer les autres. Quel que soit nos péchés, quel que soit ce que nous faisons, il dit, venez à moi. Dès l'instant tu viens à lui, il nous reçoit de tout son cœur, de tout son amour. Quand on regarde le cas de Judas, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas eu le repentance. Il est allé directement se suicider. La Bible nous dit, tout ce que l'homme sème, il récoltera. Tout ce que l'homme sème, il récoltera. Mais le Seigneur te dit, il ne regarde pas ce qui t'ont trahi dans la vie. Continue d'aimer ton prochain. Continue de lui manifester l'amour. Mais fais-le pour Jésus. L'amour est la plus grande guérison. Le Seigneur dit, Mes yeux. Who is talking to? He's talking to us. Il nous parle à nous. He said, we are the apple of his eyes. Nous sommes le temple de son esprit. What a marvelous love. Nous sommes son habitation. Quel amour merveilleux. What an assurance that he gives to us. Quelle assurance nous donne-t-il? What an assurance. One that has a pure love.
Celui qui a un amour pur. Celui qui a un amour supernaturel. Qui vient du Saint-Esprit. The Lord is telling someone, le Seigneur te dit, si tu appelles dans cet amour, when you know how to share this love, si tu sais comment partager cet amour, you know how to look, still runs like it doesn't matter. Si tu ne regardes pas le mal dans une personne, that it doesn't matter. Et tu ne regardes pas, tu regardes pas le mal. You know how to forgive someone, si tu sais comment pardonner à quelqu'un, many people today, beaucoup de personnes aujourd'hui, the lack of forgiving, ils manquent de pardon. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Because he doesn't love God. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Because when you love God, quand tu aimes Dieu, you begin to think about what Jesus can pass through. Dieu commence à regarder ce que Jésus a traversé. Tu regardes la vie de notre Seigneur and Jésus. Comment il a été trahi. L'amour qu'il avait pour quelqu'un. So you don't supposed to look that area. Tu ne vas pas regarder à cela. But the Lord is telling you, mais le Seigneur te dit, recherche-moi premièrement. Love me first. Aime-moi premièrement. The love that you have. L'amour que tu as. For that pour cet homme, pour cette femme. Ne laisse pas partir. Je parle de l'amour de the Dieu. Spirit, l'amour qui vient du Saint-Esprit. From this Holy Ghost. Qui vient du Saint-Esprit. Said, il dit que devant moi l'amour du Saint-Esprit. Pour que nous soyons tout ça. Pour que nous soyons. Que nous soyons forts. Que nous soyons inarrêtables dans tout domaine the de nos vies. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir. Opère dans cet amour. Pour que tu saches qui tu es. Les gens peuvent te trahir. Les gens peuvent te détester. Peuvent ne pas te juger. Ils pensent que tu les juges. Mais laisse-moi te dire. Quand tu opères dans l'amour, tu vas regarder comme. Tu seras comme Jésus. Tu seras comme un arbre planté. Alléluia. L'amour c'est grande, c'est la plus grande guérison. Love is a great healer. L'amour est ce qui te guérit. When you know how to love someone, quand tu guéris, et quand tu aimes quelqu'un, and when you show that love, quand tu manifestes l'amour, we are not talking about natural love. Nous ne parlons pas de l'amour naturel. The natural love, l'amour naturel they can call you, peut t'appeler. My brother, even so you don't have money, mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas l'argent. Let us go to bar and drink alcohol and fall into quarter. Hallelujah. On va aller dans un bar. Et boire. Ça, et tu ne paieras pas. I ça, c'est un amour naturel. Money. Je vais payer avec mon argent. On peut aller you boire ensemble. Tu peux perdre tes sens. Tu peux boire jusqu'à être ivre. Ça, c'est l'amour naturel. Juste naturel. It qui ne transmet rien. You are pleasing the world. Tu plais au monde. The Lord Jesus Christ said, mais regarde ce que Jésus-Christ dit. Supernatural. Nous devons opérer dans cet amour supernaturel. Cet amour supernaturel qui marche avec le Saint-Esprit. Parce que l'amour naturel, c'est juste pour un temps. L'amour naturel, c'est juste pour quelques minutes. L'amour naturel ne se perd. Même l'amour naturel peut tuer. L'amour naturel peut même t'amener en prison. L'amour naturel peut t'amener dans un domaine où tu peux regretter. Mais Jésus-Christ te dit, opère dans un amour supernaturel qui vient du Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup d'amour qui n'ont pas direction. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, avant que tu rentres dans le mariage, normalement, on devait rechercher Dieu premièrement. On devait prier, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Mais nous cherchons d'abord voir comment l'homme est merveilleux, la femme est merveilleuse. Comment elle est belle ou il est beau. We don't care about the spiritual one. Ne regardons pas le domaine spirituel. That is why I'm telling someone, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, some natural love can bring you to regretting. L'amour naturel peut t'amener dans le regret. Jésus dit que nous devons opérer dans un amour supernaturel qui marche avec le Saint-Esprit. C'est un programme paquet. Qui veut du bien en ton âme. Que quelqu'un dit Alléluia. Que quelqu'un dit Alléluia. C'est pourquoi j'explique à quelqu'un. Ta location et ta habitation détermine vraiment tes destinées. Quand tu es engagé dans quelque chose, tu vois, tu commences à voir où tu vas. That is why Jesus Christ said, pourquoi Jésus-Christ vous dit, he said, operate in me first.
Recherche-moi premièrement. Because when you have this supernatural love, donc tu as cet amour qui vient de Jésus, from the Holy Ghost, qui vient du Saint-Esprit, you can meet someone, the person that you doesn't know. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Brother, how are you living? Oh mon frère, comment tu vis? Ah, brother, I want to know your welfare. Je veux voir, je veux connaître un peu au sujet de toi. I want to know your social area. Je veux voir comment tu es. Je veux te connaître un peu dans ton âge. Je veux voir, je veux connaître ta manière de vivre. Je veux savoir ce que tu fais dans la vie. Alléluia. Tu commences à parler à cette personne. Tu commences à échanger une conversation avec lui. Tu commences à lui parler. Alors le frère commencera à te poser des questions. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Il va te dire, j'ai rien pour toi. Mais ce que j'ai pour toi, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, j'ai pour toi. Mais j'ai bien entendu parler de Jésus. Mais je l'ai mis de côté. Mais le frère Jesus que tu as, Jésus-Christ, Jésus-Christ que j'ai pour toi, peut résoudre tes problèmes. Peut t'amener dans un standard élevé. Pour que les gens te voient et sachent qui est que tu es. Ça c'est l'amour qui donne, c'est Dieu à la personne. De ça, Jésus-Christ nous parle. Quand tu rencontres quelqu'un à l'église, you can ask him more. Tu peux lui poser des questions. I want to know you more. Je veux te connaître davantage. I want to know you more. Je veux te connaître davantage. This love, cet amour dont that parle, you have for God, that we should love one another. Devons nous aimer les uns les don't autres. Care ne regarde pas. If you are calling someone, si tu appelles quelqu'un, he doesn't pick your call. Il ne prend pas ton appel. Continue calling him or her. Continue à l'appeler. You call, même si des fois tu appelles, they can off the phone, il peut éteindre ton téléphone. To call him or her. Continue à appeler. Love, Jésus-Christ te dit, nous devons nous aimer. Love, aimons-nous les uns les autres. Full love, un amour pur, un amour complet. Partage cet amour. If you have something, si tu as quelque chose that the other one doesn't have, que quelqu'un n'a pas, it doesn't matter if your church ne regarde pas que c'est ta possession, c'est ton, cela t'appartient. Mais partage avec ton prochain. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. Because for me, someone something I have in the church. Let me tell you, you can be betrayed. Je peux être trahi, mais c'est pas grave. That doesn't matter that God has abandoned you. Ça veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Look at the case of Judas. Quand tu regardes le cas de Judas. Judas himself before pronouncement of our Lord Jesus Christ. Jésus-Christ et Judas étaient aimés avant qu'il ait trahi Jésus. Avant qu'il trahisse Jésus. Il begin to say, go and confess. Begin go and tell that lady that you have nothing with her. He didn't say what you are, what you had. That is God for you. Cette voix disait à cette femme, va confesser tes péchés. Because I begin to ask God. J'ai commencé à demander à Dieu. What bring me into this empty? Qu'est-ce qui m'amène dans ce niveau? What kind of love of Jesus Christ that you have for me? Quel type d'amour tu as autant pour moi? That if this lady can come to me. Pour cette femme vienne à moi. Et entendre cette voix pour se confesser. Ah, j'ai dit, Père, merci. J'ai dit, Père, merci. Alors, ce que je veux te dire, quelqu'un peut te trahir. Quelqu'un que tu aimes peut, du jour au lendemain, te trahir. Pour te décourager. Mais le Seigneur te dit, toi, continue. Lorsque tu continues, God will give you that blessing, Dieu te donnera cette bénédiction que tu attends. The people that you love, les personnes que tu aimes peuvent te trahir. Les personnes que tu donnes tout ton argent vont te trahir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus aimer dorénavant, mais que Dieu vous bénisse. Alléluia! On va prier le Seigneur Jésus. Let us rise up. Parce que je vais y prier. Hallelujah.